Ok, nous revoilà et bonjour pour ce deuxième épisode de Dragon Egg. Voilà, donc on est parti. Alors j'avais dit du coup dans le précédent épisode qu'on essaierait de faire un champ pour manger. Donc ce serait très bien qu'on fasse ça. Donc j'avais récupéré pas mal de pousses, donc ça c'est cool. On va essayer de le faire assez près de chez nous. Hop. Bon, on va le faire par là, hein. Donc je vais commencer par mettre des belles barrières pour protéger. Hop. Vu que j'ai de la cobble, on va les utiliser, hein. Hop. Voilà. Ok, bon. Du coup, bon, là, c'est un. On va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Je dirais. Alors, on va se passer un peu quand même. Après, on trouvera une solution, hein, mais. Ouais, par là. Ok. On va faire quelque chose par là. Et on va essayer justement du coup de faire comment ça s'appelle? Bah du coup de faire le champ de blé. Et qu'il soit bien fait quoi. Ça serait cool. Bon, imaginons ma bordure, je la mets là. Ok. Donc imaginons c'est ça la bordure. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Je pense on l'étendra un peu plus tard, mais pour l'instant ça suffira largement. Ok. Tac tac. Et donc là. Voilà, donc pourquoi est-ce que je fais 4 de chaque côté? C'est très simple. C'est parce qu'en fait l'eau elle irrigue jusqu'à 4. Donc en fait ici si je vais du coup retourner la terre, et ben en fait ça va bien s'irriguer jusqu'ici. Mais pas sur la case où il y a la barrière. Voilà, tout simplement. Hop, voilà, donc si vous le saviez pas, c'est désormais chose acquise. Voilà. Tac. Voilà. Ok, je sais pas si on peut faire une barrière. Une porte en cobble, non. Hop, on va la faire. On va la faire autrement. Hop, on va aller prendre des torches s'il en reste, ce serait cool. On a notamment 30 de fer, ça c'est super cool. On va pouvoir se faire le. Je crois que c'est full stuff 30. Hein. Donc, je cherchais de quoi faire des torches. Ouais, ce serait cool. Ok. Tac. Donc, ça, c'est purement esthétique. Hein. Voilà. Tac. 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 Voilà. Donc, du coup, bon, on va. On va essayer d'avancer de plus en plus. Parce que sans ça, on serait très en. Enfin, on serait dans l'embarras, quoi. Parce que. Bah, tout simplement parce qu'en fait, ça va nous produire du coup pas mal de nourriture. Et ça, c'est superbe. Avec du coup, bon, la ferme à vaches qu'on va faire plus tard. Voilà, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de. Bah de viande tout simplement, voilà, de steak. Ok, donc je vais pouvoir faire du coup une. Je crois que ça s'appelle une fence. Voilà, c'est une fence gate. Ok, bon. Je me suis mis ennui par rapport à la dernière fois parce que j'ai constaté le fait que j'ai totalement oublié la plupart des crafts. Voilà, donc c'est à la fois drôle et un peu. Moins, mais c'est pas. il me faudrait une hache. Ok. Bon, alors je vais prendre une table de craft. Hop, 3 de fer. Et on va aller chercher ça. D'ailleurs, je vais juste, hop, noter les coordonnées. Voilà. Tac. 69, 64, 275. Voilà. Au moins, je les ai.
sec. Donc bon. Ouf, de la canne à sucre, ça c'est hyper bien. Ça c'est super. On va pouvoir aller tuer quelques vaches. Ensuite on fera une ferme, hein, donc pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. De toute façon c'est virtuel, ok? Hop, tac, tac. Et qu'est-ce que je voulais moi ici? Oui, du bois, ok. Du bois, un gros délire de... de la série... Ah, je sais plus, une série de Siphano où ils sont dans le l'âge de glace, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Si je retrouve le vrai nom, je vous le mettrai au montage. Hop. Tac, alors je vais pouvoir faire une hache. On va pouvoir farmer un peu plus. Hop, hop, hop. Tac. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Hop. On pratique la déforestation. Je précise que c'est pas cool, mais bon. C'est un jeu, c'est virtuel, ok? Allez, je vais me prendre juste un petit stack, ça va être rapide vu que maintenant j'ai une hache. Hop. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Alors, il va vite falloir que je bouffe, sinon je vais mourir. Même si c'est un jeu, à mourir c'est chiant. Voilà. Mais bon, j'ai fait mon point de spawn, donc ça c'est, à la limite, c'est pas si grave que ça. Si je meurs, j'arrive chez moi, quoi, c'est cool. Mais bon. Merci, petite vache. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Hop là. Donc, bon, là on commence à en avoir assez. Allez, un dernier arbre, un dernier arbre et on repart. Hop. Voilà. Donc, si je me trompe pas, je viens de là-bas. Hein. Doit être quelque chose comme ça. Hop. Tac. Vu qu'il y a des pousses, je vais les replanter. Hop. Pourquoi pas après tout. Hein. Ah, par contre, le boulot, je vais en mettre un juste à côté de chez moi. Ce sera plus joli. Hop. Je vérifiais juste un petit truc. Bon, ça va. Ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, et si on éclairait un peu? Au moins, on voit un peu mieux à distance. Tac. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris de l'eau. Ça, c'est cool. Il y a un mouton. Ah, c'est ce que je cherchais. Donc avec le mouton, je vais pouvoir faire de la laine. Oui, enfin je vais avoir de la laine, pardon. Hop, à la limite, j'ai pas de fer, tant pis. Je voulais faire des cisailles, mais bon, tant pis. Tant pis pour lui. Voilà. On va aller faire cuire de la viande, hein. Clairement, il y en a besoin. Hop, voilà. Pendant que ça se cuit. Ah, j'ai que 3 de laine, hein. C'est dommage. On va faire les portails. Enfin, le portail en l'occurrence. Pour la. Hop. Pour le champ. Voilà. Et donc, avec ça, on sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, il y a Alexa qui parle. Je sais pas. Désolé. Bah ouais, excuse-toi. Je sais pas pourquoi elle parle, mais bon. À la limite, on a l'habitude qu'elle fasse des bêtises. Hop. Voilà. Hop. Donc là, je crée des sources d'eau infinies. Et. Ok. Le mouton. Bah, à la limite, il est ici. C'est pas une mauvaise idée de le laisser là.
Hop, on va lui couper de la laine. Et on va l'exploiter jusqu'à ce qu'on ait assez de laine. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, quand vous approchez d'un mouton avec des cisailles, hop, ça vous donne de la laine. Et lui, bah, ça va repousser, quoi, hein, tout simplement. On va pouvoir désormais faire. Alors, les cisailles, je vais pas les utiliser souvent. Hop, voilà, je retire un peu tout. Voilà, et donc on va pouvoir. Pardon, j'ai tapé mon micro. On va pouvoir du coup faire une houe. Oui, je sais bien parler anglais. Hop, voilà, tac tac. Voilà, une houe. Hop, voilà. Et donc là, on va pouvoir bêcher le sol. Ça, normalement, vous devez connaître. Et vous voyez, ici, c'est une zone non irriguée. Ici, c'est irrigué. Vous voyez? Et ça apparaît grâce à l'eau. Et c'est que sur 4. Si je vais bêcher, par exemple, celle-ci, il n'y aura jamais la source d'eau irriguée. Enfin, la source irriguée. Enfin, la terre irriguée. Par la source d'eau. Oui, je me perds dans mes propres phrases. Voilà. Donc là, on est bon et on va commencer déjà à pouvoir planter des graines. Ça me semble assez éclairé hein, pour planter. Hop. Et je vais en profiter pour torcher encore un peu plus la zone. Hop. Voilà. Et il me faut les seeds. Voilà, j'en ai 53. C'est super bien, hein. Hop. Alors du coup, j'éclaire pour ne pas qu'il y ait de mobs. Voilà, je sais pas si. J'en profite pour le préciser. Hop, voilà. C'est pour éviter les mobs près de la maison. S'ils sont un peu plus loin, ça m'arrange. Hop, je vais en profiter pour prendre la canne. Voilà. Et on va récupérer du sable parce que c'est plus joli. Voilà. Allez, j'en prends 15 et on sera bon. Non, il va falloir qu'on fasse plein plein de ménage. Ouh là là. Pas d'armure. Ok. Vous voyez, c'est pour pallier à ce genre de problème que. Ok. Bonjour la vache, je suis occupé. Hop, on va aller dormir. Hein. Ça résoudra les problèmes. Ok. Donc, il y a une witch, une sorcière en anglais. Hop. Ok. Ok. Donc, on est bon. On va pouvoir ici mettre des seeds pour faire, bah pour planter du blé, hein, tout simplement. Hop, voilà. Donc, on met les graines. Tac, tac, tac. On va aller en chercher d'autres. Je sais plus si les moutons ça mange les graines comme ça. Ok. Et je vais prendre mes cisailles. Voilà.
Moi, j'ai tous les ustensiles que j'ai besoin, entre guillemets. On se fait en dernier lieu une pelle, voilà, si on trouve quelque chose d'intéressant. Et voilà, au moins on a tous les ustensiles dont quelqu'un a besoin. Je sais plus comment on fait des glass panes. Enfin, je sais plus combien il y a besoin de nombre. C'est 6. Ok. Voilà. Tac. C'est pour du coup, on va mettre des glass panes. Ce sera plus ré... enfin, moins risqué, justement. Hop. À la limite, je vais poser le deuxième pot. Voilà. Moi, ça va plus vite. On va se faire un chestplate en fer et des jambières. Hop, et on a de quoi. Est-ce que je crois qu'on aurait. Non, on n'a pas. Ok, bon. Les bottes, ce sera pour plus tard. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire les glass panes. Faire chouïa plus mieux bien. Si si, si si si, je vous assure, c'est français. Voilà, tac tac tac. Ok, ça c'est fait et on va planter la canne à sucre. Voilà. Où est-ce que je peux la planter? Je vais la planter vers là-bas. Oui, moi ouais, c'est très bien ici. Je vais mettre une source d'eau. Plus. Je sais pas. On va aller faire une source d'eau infinie. Ok. Et grâce à cette source d'eau infinie, on va pouvoir faire juste. On va faire un petit lac artificiel. Voilà. On va essayer de lui donner un peu une forme réelle, disons. Voilà. Alors, j'ai juste pas l'animation de l'eau, ça fait bizarre. Voilà. Parce que j'ai reçu les autres animations, mais l'eau, c'est vraiment, je trouve, c'est indispensable quand même. Allez. C'est bon? Ok. Donc là, on va pouvoir creuser. On va mettre un peu plus de profondeur. Tac. Et dedans. Voilà. Là, au moins, on a un peu plus de profondeur dans le lac. Ok, et on va pouvoir planter les 6 cannes à sucre. Voilà, et ben voilà, maintenant il suffit juste que ça pousse, tout simplement. Hop, je remets un peu de torche, et on va pouvoir y aller. Voilà. Alors, on va récupérer maintenant un peu plus de graines, je pense. Au moins, on va remplir l'autre côté. Et ça va faire un peu de... Ça va faire un peu d'espace sur le terrain. Donc ça, c'est cool. Ok. Du coup, nous, ça nous fait des graines et en même temps, ça fait vraiment beaucoup plus d'ordre. Parce que vraiment, c'est la pire des choses. À la limite, s'il y avait des belles fleurs, genre des poppies ou... autre chose, tu vois, c'était soit ça aurait été mieux, mais là, clairement. Ok, là j'en ai que 12. Voyez, ça fait vraiment beaucoup moins brouillon sans les, sans les, sans les,
vais dire mauvaises herbes, mais c'est pas vraiment des mauvaises herbes, c'est. Je trouve juste pas ça beau. Hop. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, clairement. Là, je préfère une plaine bien lisse, super belle que comme ça. Hop. Voilà. Voilà, ça fait un peu plus naturel. Parce que là, vraiment, typiquement, il y a des bancs de terre comme ça. On sait pas pourquoi, on sait pas d'où ils viennent. Voilà. Donc là, ça fait toujours du bien de faire un peu de vide, un peu de tri. Et on va essayer d'enfermer des vaches pour pouvoir clairement avoir. Oui, je sais, je parle de toi. Pour avoir du coup de la nourriture aussi. On constatera que je n'ai plus de bouffe. Parce que je l'avais laissé là. Non. Bon, il faut vraiment que j'enferme d'autres vaches. Même si elles sont choues. Ah bah j'ai pas le choix. Voilà. Hop. Voilà. On va faire un plus gros enclos. Alors, là je pense que le champ, on va pouvoir l'étendre beaucoup plus loin. Donc, je vais quand même m'aligner avec le champ. Je vais aller là où il y a les vaches. Hop. On va essayer de les emprisonner, on se crède. Regardez ma discrétion. Vous ne me voyez pas. Bon là je les dérange, hein, ça se voit. Voilà. Typiquement, au moins on va pouvoir les faire se reproduire. Voilà, bon là il y en a deux. Aligné. Là, je suis aligné sur ces. Voilà. Celui-là. Ah! Vous voyez, elles sont horribles, ces herbes. Ok, donc tac. À la limite, ça, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant. La suite, on verra. Ok. Donc là déjà, s'il te plaît. Il y a une vache, elle vient de rentrer dans l'enclos, je suis mort. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc là déjà on est beaucoup mieux. Ok, là il y a plein de vaches. Je vais essayer d'en ramener une. Hop. J'ai pas de blé sur moi. Là ça m'aurait bien aidé. Je vais essayer de prendre du blé. Alors, j'improvise hein, en même temps, parce que là, clairement. Voilà. Je vais aller choper du blé, faire passer la nuit également. Tac. Pas de blé. J'avais pris des os. Là, il m'en faut clairement, hein, c'est inévitable. Des os, voilà. Tac. Je pourrais avoir un peu de. Hop.
Voilà, tac. Voilà, et on va pouvoir du coup attirer les vaches avec le blé. Ça, c'est cool. Hop là. Alors, je vérifie un petit truc. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir continuer un peu. Ah, il y a un mouton ici. Oh, c'est gentil, monsieur le mouton. Tu me suis? Allez, viens. Regarde, viens, il est beau. Tu viens? Ok. Voilà. Et donc là, on va pouvoir... Tac. Faire cuire la suite. Le cuir, on le laisse là. Les barrières aussi. Voilà. Typiquement, on est déjà un peu mieux. On va se faire du pain parce que vraiment là je suis vraiment... Hop. On va aller dormir aussi. Hop. Allez. Je peux pas dormir? Je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais pas ce qui se passait. Peut-être je cliquais mal. Mais je savais pas qu'il fallait cliquer sur le haut du lit pour résoudre comment ça s'appelle. Je savais pas qu'il fallait cliquer sur le haut du lit, pardon, pour se coucher. Genre je pensais que le bas aussi ça marchait. Regarde, c'est bon. Regarde. Miam miam. Miam miam, j'ai dit. Mais gros. Je regarde derrière moi quand même. Voilà. Elles sont deux. On va pouvoir monter un peu. Allez, venez. Regardez comment que c'est bon. On a trois. Toi aussi t'as envie. Regarde. Ok, je leur laisse bien le temps de venir. Ça c'est cool. Vraiment. On va pouvoir se faire un très bel enclos. Je vais les mettre bien devant. Allez. Voilà. Tac. Et voilà. Mais laissez-vous vous emprisonner, wesh. Mais wesh. Mais ah! Oh, oh, ces deux-là, je vais les tuer. Je vais vous apprendre, oh. Voilà. Tac, on va pouvoir déjà y faire un mioche. Voilà. Et les autres, ben, je peux les tuer clairement sans aucun souci vu qu'on a réussi à. Allô? Ça va la vache invincible là? Bon, je sais pas. D'accord, donc maintenant je peux plus taper les vaches. C'est quoi? Mais quoi? Je sais pas ce qui se passe, c'est trop bizarre. Voilà. Voilà, typiquement, c'est qu'il me fallait vraiment beaucoup de bouffe, quoi, donc. Dès qu'on a fait ça, pareil, on prend un peu de blé. Enfin, des graines pour faire du blé. Enfin,
Ces fleurs-là, elles sont jolies, je vais les mettre devant chez moi. Ouais, je fais vraiment du jardinage là, clairement. Histoire de faire un petit peu de déco pour que ce soit un peu plus agréable. Hop, hop, hop. Hop là. Et donc là, alors je vais vous montrer aussi pourquoi est-ce que je leur ai pris leur laine. Vous allez voir. où est-ce qu'il reste de la laine, s'il vous plaît? Voilà. Tac. Et bien regardez, hop, on va faire des tapis. Voilà. Et donc là, je peux du coup maintenant ça et faire. Donc je fais Shift et je clique. Et ça va nous mettre des tapis. Non, moi je vais les mettre au-dessus. Hop, voilà. Tac. Ouais, donc du coup, il y a toujours l'eau en dessous. Mais du coup, nous, on peut marcher sur les tapis. Enfin, on peut marcher sur l'eau, entre guillemets. Mais du coup, l'eau reste en dessous et nous, on peut marcher tranquillement dans le champ. Donc ça, c'est cool. Voilà, on finit d'éclairer tout ça. Voilà. Bon, les moutons, je les mettrai un autre jour dans un autre enclos. Ok, donc, et bah ça c'est cool. Déjà, on a bien 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 avancé sur cet épisode. Je pense qu'on a terminé. Ouais, ça fait une demi-heure là qu'on joue ensemble. Que vous me regardez jouer. Bref, du coup, hop, on va torcher la zone. Et puis on va pouvoir se dire au revoir. Hop, hop. Voilà. Ok. Là, clairement. Hop. Là, y a des belles poppies, elles sont trop belles, franchement. Hop. Je mets un petit peu de déco. Parce que vraiment. Voilà. C'est plus joli. Ok. Et donc voilà. On est bon. Oui, bah voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a du coup bien on a bien avancé, on a fait du coup les deux champs, enfin les deux enclos. Enfin, c'est en même temps un double enclos ça. Enfin bref, du coup je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode de Dragon Age vous aura plu. On a bien avancé, on finit avec une armure, tout ça, c'est sympa. En tout cas, moi ce que je vous souhaite, c'est de passer du coup un bon week-end. Je suppose que la vidéo sortira du coup samedi. On va voir. Mais voilà, j'espère, mais bon, cela dépendra de combien de temps je mets pour faire le montage, tout simplement. Bref, voilà, c'était Nem. Je vous remercie pour tout, hein, pour ceux qui regardent, ceux qui likent, etc. C'est super gentil. Et puis voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour la suite de la série. Voilà. Allez, bye bye.